À quelques mètres de moi, elle devait être à 5 mètres. Pierre n'en revient toujours pas. Au petit matin, ce photographe animalier a réussi à immortaliser cette loutre d'Europe de très près. Un coup de chance, car l'animal vit surtout la nuit et reste très discret. Habituellement, c'est surtout grâce à leur piège photographique que ses deux voisins naturalistes amateurs la repèrent. Ou encore, grâce à ses excréments, appelés épreintes. On voit l'épreinte qui est remplie avec des petits os, des mammifères, des poissons. Puis on a la muse qui est brûlée là par l'urine. On voit avec les pièges photos qu'ils passent presque tous les jours par ici. Si la loutre semble se plaire sur les rives du Trieux, elle avait totalement disparu au milieu du XXe siècle, victime de la chasse. Depuis 1981, ils sont protégés, donc ça revient. Il n'était que dans le centre de la Bretagne. Et puis petit à petit, ils vont vers le littoral un peu partout en Bretagne. La loutre a recolonisé une grande partie de la Bretagne, notamment à l'ouest. C'est ce que constate le groupe mammalogique breton qui piste l'animal depuis plus de 30 ans. Mais l'espèce reste fragile car son espérance de vie dépasse rarement les 5 ans. Elle va avoir, la moyenne c'est 2 à 3 petits. Et il y a une mortalité juvénile assez importante. Et une maturité sexuelle qui est entre 2 et 3 ans. Une espèce peu prolifique donc. Et l'une des principales menaces qui pèsent sur elle, ce sont les collisions routières. Alors à Lamballe, la municipalité vient d'installer 2 panneaux pour inciter les automobilistes à lever le pied. À cet endroit, précisément, la loutre, elle circule, mais comme elle ne peut pas passer sous la route, puisque les buses sont trop étroites, elle traverse la route par en dessus et il y a un risque de destruction. Sur le territoire de l'agglomération, une 50aine d'autres zones à risque ont aussi été identifiées par le groupe mammalogique breton.